Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu vous aime. Dieu est mort pour vous péchés, pour vos péchés. Jésus-Christ est venu sur terre pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi je suis un homme, je suis un jeune homme, j'ai 18 ans. En ce temps, de jeune homme de 18 ans, il commet des péchés, de l'adultère, des fornications, des débauches, toutes sortes de péchés. Mais moi, à l'âge de 18 ans, Dieu m'a visité. Dieu a changé ma vie à l'âge de 18 ans. Je suis là pour vous dire que non, tant que tu as envie, ce n'est pas trop tard. Dans ta vie à Dieu, tu ne regretteras jamais. Dieu t'aime. Ce n'est pas par hasard que je suis là devant vous pour vous parler. Peut-être que c'est Dieu qui a planifié ce jour où je puisse vous parler pour que vous soyez sauvés. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour vous. J'ai commis toutes sortes de péchés. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu a changé ma vie. L'amour de Dieu a changé ma vie. Ma copine ne m'avait pas donné l'amour que je cherchais. Comme toi, ta copine ou ton compère ne va pas te donner le véritable amour. C'est l'amour de Dieu. Cet amour-là est un amour sans fin. Je vous dis en vérité, si vous cherchez cet amour, vous verrez que votre vie sera agréable. Dieu va changer votre vie. Dieu est capable de changer votre vie. Dieu a changé ma vie. Et il est capable de faire ça dans votre vie. Tu vis pour un temps. Il ne faut pas croire que non. Tout ce que tu as porté en ce moment, ça sera éternellement. Tout ce que tu as porté, c'est pour un temps. Mais sache que ton âme est éternellement. Si tu meurs, ton âme va aller soit en enfer ou au paradis. Mais je vous dis, Jésus-Christ est venu pour vous. Et c'est la seule personne qui peut vous ramener vers Dieu. C'est lui qui est mort pour vos péchés. Moi j'ai 18 ans. Mais en ce moment, des jeunes de 18 ans, vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Il fait des bêtises, il fait toutes sortes de péchés. Mais moi, Dieu a changé ma vie. À l'âge de 18 ans. Et la vie que je mène en ce moment, je vous dis en vérité, cette vie-là, c'est une vie agréable. Cette vie-là, je sens l'amour de Dieu chaque jour. Je sens l'amour de Dieu se manifester à moi. Cet amour-là a changé ma vie. Cet amour-là, Dieu peut changer aussi ta vie, madame. Dieu existe, il existe pour toujours. Dieu vit éternellement. Le monde ici, Dieu a créé. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on part en enfer. Dieu t'a pas créé pour que tu partes en enfer. Dieu t'a créé pour que tu sois sauvé. Mais Dieu ne te force pas le suivre. Ce que Dieu veut simplement, c'est ce que tu pousses le suivre. Et sache que quand tu vas donner ta vie à Dieu, tu ne regretteras jamais de cette décision. Je vous dis, cette vie-là, la vie avec Dieu, c'est une vie agréable. Le monde ici, il ne faut pas laisser Satan vous tromper. Le monde ici, c'est un monde pour un temps. Il faut savoir qu'à la fin du monde, Dieu va vous juger, Dieu va nous juger. Et toute personne qui a vécu selon Dieu, il faut savoir que vous aurez la vie éternellement. Mais c'est Jésus-Christ qui peut vous donner la vie éternellement. Jésus-Christ a changé ma vie. Jésus-Christ est entré dans ma vie. Il a changé ma vie. Et il peut aussi faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.